Oh. Coucou. Salut. Bienvenue dans notre partie 5 de Super Mario 64. Donc on va retourner dans le niveau de l'eau. Cette fois-ci, on va faire l'étoile qui est l'anguille veut faire joujou. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je l'appelle Bibi, mais il s'appelle pas Bibi, c'est pas lui Bibi. Non, mais à chaque Bibi, fois, c'est le low class. Oui, à chaque fois, je l'appelle Bibi, je sais pas pourquoi. Moi, je lui donnais même pas de nom, je voulais pas la croiser. Et encore, je dis que c'est une anguille, mais c'est pas une anguille, elle électrocute pas. Oui, je vais c'est aussi montrer. C'est plutôt une murène. Mm-hmm. Bon, je vais essayer de montrer un autre truc, là, si machin veut bien s'ouvrir. Là. Aïe oh c'est méchant ça. Et donc on peut récupérer. On peut récupérer, j'ai dit. Elle a pas très envie de te la donner, on dirait. Et donc on peut récupérer les Koopa Shell aussi. Sont beaux. Et je sais, on dit carapace de Koopa normalement, mais. Mais non, c'est une coquille verte. Voilà, coquille verte. Voilà. Et ça nous permet de se déplacer un peu plus vite. Mais je crois qu'elle s'estompe tout seul en fait. Et, oui, oui. Et c'est pénible en fait parce que ça dure pas très longtemps. Et voilà, déjà fini. j'appuie sur aucun bouton en fait. Et donc là, il faut s'approcher d'elle jusqu'à ce que machin, là, il veut nous manger. Je sais pas en fait. Je sais pas ce qu'il essaie de faire. Et en fait, je fais toujours des fails quand je. Allez, sors machin. Bibi. Non, Bibi c'est le low class. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été persuadé qu'il s'appelait Bibi comme le low class. Allez. Et voilà, j'ai encore raté, je vais me faire tuer parce que. À chaque fois, c'est ce qui arrive. Je me fais toucher par la queue et voilà. Et voilà, je suis mort. Ce niveau, c'est celui où je meurs le plus en fait. C'est un niveau de l'eau, c'est normal. Enfin, cette étoile même plutôt parce que voilà. J'ai toujours détesté cette étoile. Pourquoi je la fais ? Il veut faire loulou. Ben écoute, je sais pas. Hein. J'aime bien parce qu'on voit une étoile, une pièce rouge au loin là-bas. Ok, c'était beau Mario. Mario il surfe. Heureusement qu'on a plein de vie. Ah oui, donc du coup il y a le bateau qui flotte. Mmh. Et oui, ouvrir des coffres à l'intérieur d'un truc. Un bateau. D'un bateau, ça le fait remonter à la surface. Parce que c'était trop rempli d'air alors. D'ailleurs cette étoile dans le flux, on l'a comment ? Soit on l'a en faisant ça. Soit on l'a en essayant de. Soit on l'a en essayant de... Comment ça s'appelle ? Avec la cape de Metal Mario. La cape, le... la casquette de Metal Mario. En fait, techniquement, j'ai pas assez de vie, donc je vais préférer monter, ouais. Je suppose que tu pensais à cape en anglais ? Oui. J'utilise souvent les mots anglais, en fait. Ça m'arrive beaucoup de jouer au jeu en anglais, en réalité, donc... Allez, machin, sort. Et encore, en fait, cette anguille-là est techniquement plus effrayante que les serpents de mer de... Comment tu m'as touché, là ? Celle de Majora Mask, parce que celle de Majora Mask, en fait, elles sont effrayantes, mais elles sont programmées pour être effrayantes, techniquement. Donc... Ah bah voilà. D'un coup. Oh, t'aurais pu atterrir sur moi, quand même. Et sinon, je vais me faire toucher. Bon, ça va. Ike. Oh, vite, Mario, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et voilà. Bon ça va, j'ai pas été trop long visiblement quand même, juste 3 minutes 30. Bon, moi je veux pas rester là. Ah, là elle ne veut pas continuer à faire le niveau de l'eau. Non, moi j'aime pas les niveaux de tu l'eau. Tu veux faire le niveau de la neige ? Eh oui, j'y avais pas pensé, mais oui, tant qu'à faire. Ouh. Mais ça suffit ! Mais... D'ailleurs, même si la lumière n'apparaît plus, on peut quand même continuer à aller dans le niveau avec la casquette. En fait, c'est histoire d'attirer notre attention. Oui. Eh oh, regardez là-haut. Ouais, moi j'aime bien ce niveau. Après, je sais plus si elle reste. Je crois qu'elle reste jusqu'à ce que l'interrupteur soit activé. Et si on gagne pas les pièces rouges, elle s'enlève quand même la lumière. Glissade sur glace. Je fais pas. Mince, j'ai pas lu. Bon. Je crois que c'est un truc à propos du... Attention, il n'y a pas que le Père Noël qui va sous le... Comment ça s'appelle ? Dans la... Dans les cheminées, voilà. Non ! Ah oui, il y avait aussi cette étoile, là, avec la boule de neige. Oh, j'y arrivais jamais. Mais moi aussi, j'y arrivais jamais, alors que je comprends techniquement pas pourquoi j'y arrivais pas. Mais j'en ai marre, il me troll, ce pingouin. Oh, tu stop veux... Et oui, Et oui, lui, il est capable de monter. Mais ça jamais m'est jamais arrivé. Mais ça suffit ! Laisse-le revenir et...
Il a peur de moi? Oui, un peu. D'un côté, je sais pas, un vieux moustachu qui essaie de... Il est pas vieux, Mario. Bon, un jeune moustachu, svelte et absolument pas effrayant qui... Oh! Wow! Oh bah! Qu'est-ce que... Je crois que tu devrais quand même l'attendre, hein, plutôt que essayer d'être un peu trop pressé. Regarde, il revient vers moi. Non, il revient pas vers toi, il revient vers le... Voilà. Yeah. Oh, oh, tu oh vois mon ton... dieu! Le pingouin, il va rester bloqué? Je crois bien, oui. Oh non! Oh non! Mais il est plus là? Non, il a remonté, tout en haut. Mais n'importe quoi. C'est un pingouin qui vole comme Mia. Comment il s'appelle? Miu, voilà. Oui. Stop that! Ok, c'est bon. Alors. Alors sur toi, tu ne perds pas de vie dans la neige. Je sais. On s'enfonce juste. Donc là, il y a un téléporteur pour remonter. Alors Fabien, il aurait bien fallu le montrer tout de même. Ah oui. Bah, à la base, je suis censé aller dans la cheminée, hein. Je crois que ce niveau, c'est l'un des plus pénibles en fait pour récupérer les 100 pièges, je crois. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Pourquoi je l'entends encore? Parce que c'est un fond noir et qu'il marche dans le fond noir. Ah oui, d'accord. Parce que lui n'est pas le Père Noël, contrairement à Mario. Allez. Wouh! C'est parti! Yo! Dans cette glissade, il y a aussi un raccourci qu'on peut prendre pour aller directement. Oui, mais si tu prends pour la course, eh ben, on te traite de tricheur. Parce que Mario, en fait, il se fait insulter de tricheur par tous les personnages du jeu, qui est ici, voilà. Voilà. C'est bien les pièces qui nous. Ah non, je disais qu'en fait, ce niveau était assez difficile à récupérer les 100 pièces, pour nous, parce qu'il y a la glissade qui nous donne plein de pièces. Je crois que même si tu faisais la course contre le pingouin, tu aurais perdu. Mais non, mais je m'amuse. Et what? Et je crois que la chose la plus pénible qui puisse nous arriver, c'est d'obtenir les 100 pièces durant la glissade. Il faut sortir de là. Oui. La chose la plus pénible dans cette glissade, c'est si tu obtiens les 100 pièces dans la glissade. Oh, j'aimerais même pas imaginer. Ah, voilà la maman du pingouin que j'ai jeté dans la cheminée. Et il nous réclame son petit. Parce qu'elle a réussi à le perdre en haut, je sais pas comment elle a fait. C'est pas une bonne maman pour avoir perdu son enfant quand même. Et en plus, il y en a un autre bébé. Il a qui? Ah oui, il a qui? Tu sais pas, parce que tu lui donnes, il veut pas. Elle en veut pas. Allez, à ton tour. Youhou, bah tiens, je vais faire l'autre glissade. Histoire 2. On peut techniquement gagner du temps en sautant et en lançant. Sous le. Ouais, bref. Enfin, moi j'ai essayé de faire ça. Yeah! Enfin, j'espère qu'il est là en fait, je sais pas. Oui, ah c'est si, bon. Oui, il est là. Ça se trouve, c'est son enfant. Peut-être, en fait. Salut, mon tout petit Mario. Alors, il paraît que tu es rapide. Mais es-tu aussi rapide que moi? On fait la course, mon petit piquet? Prêt? Non. Partez. Mon petit piquet. D'ailleurs, ce pingouin n'est absolument pas à prendre à la légère. Et j'ai raté mon départ. N'est absolument pas à prendre à la légère parce que ce pingouin va très vite. Wouhou. Ça m'est déjà arrivé de tomber. Bah moi aussi en fait. Voilà. Ah, mais ça fait peur. Mais oui, ce pingouin est assez effrayant. Il va super vite. Et voilà, je vais tomber. Ou non. Mais en fait oui, c'est vrai qu'il y a plein de pièces dans ce niveau. Oui, c'est pour ça que je disais que... Mais... Normalement il va ralentir un peu là, je crois. Ouais, histoire de te laisser gagner. Dommage, j'aurais pu récupérer les... Boum. Et du coup, là, il va à 2 à l'heure. Oui. Très rapide, hein, pingouin. Quoi? Tu as battu mon record? Je l'admets, tu es très rapide pour un humain. Pourquoi j'ai une voix différente de tout à l'heure? Je sais pas. Je n'ai pas le bétail d'or sur moi, mais cette étoile fera l'affaire. Merci. Elle sort de sa tête, quand même. C'est assez fréquent. Mangé une étoile. T'as mangé une étoile de puissance, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il va si vite, en fait. Oui, c'est pour ça. Un peu comme dans Mario Kart, il mange une étoile et... Mais oui, c'est ça en fait. Bon, bah à toi. Yeah. Tu vas récupérer le petit pingouin. Ouais, je vais le rendre à sa maman. Ah, je suis quand même dégoûté en fait, on aurait pu avoir les 100 pièces. Montagne glagla.
petit pingouin perdu. Parce qu'en plus il pleure tout le temps. Moi j'ai toujours pensé qu'il disait meurs, meurs. Enfin, oh. Enfin non, j'ai pas toujours pensé. Je pensais que ça quand il était, quand j'étais petit. Tiens, lui aussi s'il a un mur invisible. Ah non, moi je pensais qu'il disait maman. What? Bah pareil, pareil, mère. Mère, mère. C'est vrai que Mario va aussi lentement. Ou c'est toi qui te déplace lentement? Je sais pas en fait. Non, tu peux pas te téléborder avec lui. Bah oui. D'accord. Si tu sautes, tu peux aller plus vite par contre. Yata! Oh non! Attention, il y a une jolie flore là-bas. Jolie flore. Mais oui, c'est une jolie flore. J'ai jamais fait la comparaison avec jolie flore. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que... Là, elle aime beaucoup les jolies flores, c'est vrai. Mais oui. Oui, là, elle est une... Wow. Mon dieu, comment il court, Mario? Oh, what? Là, elle est une avide fan de Pokémon. Allez, je vais le rendre à sa maman. D'ailleurs, si on lui prend après, une fois qu'on l'a déposé, elle se met en colère. Oui. Tu as trouvé mon bébé, mon chou, mon petit chou. Comment te prouver ma gratitude, gros? Ça se fait pas. Elle est plus grosse que moi. Tu es formidable. Tiens, prends cette étoile. Tu l'as bien méritée. Encore merci, petit. Petit et gros. Mario, c'est un... C'est un petit gros Méluche. Petit gros Mario. Ouais, du coup, tu lui as pas montré quand elle s'énervait quand tu prenais son bébé. Moi, en fait, j'ai déjà réussi. Enfin, non, j'ai pas déjà réussi. C'est pas comme si c'était un... Ah, j'ai eu deux pièces. Parce que j'ai pris une pièce rouge, je crois. Je sais plus. Oui. J'ai déjà donné son bébé. Ensuite, je l'ai repris, je l'ai jeté dans le vide. Moi aussi. 8 pièces rouges livrées, je vais pas faire celle-ci, mais je sais pas si... Attends, c'est quoi déjà la 6ème? Ah oui, si, la 6ème, je sais c'est laquelle, je vais la faire maintenant. Il y a le mur. Oui, c'est ce que je... Oui. Enfin, à moins qu'il y ait le... La boule de neige. Oui. J'aime bien parce que... Ça m'étonnerait qu'il y ait la boule de neige. Les niveaux se débloquent au fur et à mesure sans que ce soit... Oh mince, je me suis un peu trompé d'endroit en fait. Bah oui. Mais non, c'est pas si long. C'est bon. Non, mais j'ai pas envie de faire comme ça. Enfin, j'ai jamais fait comme ça et à chaque fois... Mais t'es juste à côté. Oui, mais j'aime pas. Je suis quelqu'un de difficile. Oui. Allez, allez voir toi, petit Mario. Bon, techniquement, comment ça se fait que je me suis trompé de chemin, sérieusement? Je sais même plus ce que t'as fait. Bah, j'ai été... Voilà, enfin, c'est pas grave. On va recommencer. Voilà, là, c'est bon, ici. Mais alors, quoi, qu'est-ce que c'est pour toi ça? Oh, pauvre Mario. Il est embêté. Ah bah tiens, il se débloque tout seul. Ok. Mario dans le mur. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais il fallait bien que ça arrive un jour, je suppose. On va dire que c'est la malédiction des let's play, comme ils disent en anglais. La LP curse. Allez, allez. Je comprends toujours pas pourquoi je suis atterri au mauvais endroit. J'ai atterri au mauvais endroit tout à l'heure. Ben... Je suis atterri. Très français, je suis atterri. Je parle comme un analphabète primaire. Bon, alors, où est-ce que tu es, jolie flore? Ouais. Ah non, mais moi ça, je les appelais jolie flore. Bon, au début, je leur donnais pas de nom parce que jolie flore n'existait pas, mais... Oui, ah oui, d'accord. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours trouvé ça plus pratique. Enfin, techniquement aussi, parfois, je sautais directement et puis je faisais un petit... Un petit saut là avec sur le ventre. Moi je m'embêtais. Parce que j'ai déjà essayé d'utiliser le canon et ça marchait pas très bien. Non, ça avait. Je maîtrisais bien le canon. Par contre j'étais bloqué dans ce niveau parce que je savais pas qu'il fallait faire un saut. Voilà. Moi non plus je savais pas. Alors je sais plus comment j'ai réussi à faire, mais j'ai réussi à faire un triple saut pour arriver jusqu'ici. Et en fait cette étoile est super rapide à faire. C'est pour ça que j'ai mis 3 minutes à la faire, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau encore comme niveau ici? Des pièces rouges, c'est tout? Il y a le niveau de boue, les pièces rouges. Non, je parlais de la neige. Il reste la boule de neige, ah bah. Mais qu'on peut pas faire, on est obligé de faire les pièces rouges avant. Bah au pire, je vais m'amuser. Ou d'ailleurs, attends, tu peux... Techniquement, on a plus trop le temps. Oui. Bientôt 15 minutes.
Bah, tant pis, on se continuera la prochaine fois. Ouais, bon bah, à une prochaine fois pour la sixième partie. Salut. Salut. On va laisser Mario faire le guet sur son petit, sur sa petite plateforme.